quête alors, monsieur? Oui. Génial! Alors, est-ce que vous êtes prêts pour le spectacle? Oui. En place, Lisette! D'accord! Ah oui, c'est ça! Oui, comme ça! D'accord! Eh bien, on improvise toujours? Oui, on improvise! D'accord. On va danser, on va chanter. L'inspiration du moment. Et c'est parti! Ah ben tiens! Explorer la forêt, escalader les collines, mais désolé, désolé, on peut pas faire du jet set. Oh. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ce serait chouette, non? Est-ce que je vais pouvoir faire la sieste quand je veux? Ne pas obligé de participer à toutes ces activités qui puisent? Mais bien sûr, Zizani, car on sera en vacances. Alors, on pourra faire tout ce qu'on veut. Ouais. Comme je suis jamais parti en vacances, c'est difficile de dire que j'aime pas ça, les vacances. Moi, je...
Mais si je peux faire ce que je veux et pas faire tout ce que vous voulez, bah c'est d'accord. Laissez partir en vacances. On part tous faire nos bagages et on se retrouve ici dans 10 minutes. N'apportez pas trop de choses, nous allons beaucoup marcher. Alors, il faut voyager léger. Compris? Oui, pas de problème, mon cousin. Je n'apporterai que le strict minimum. Tu viens répondre? Que le minimum pour moi aussi. Je le jure. Eh ben, moi, ce sera pas compliqué, Zaza. Hein? J'ai besoin d'un oreiller et de ma toutou. Oh, 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 ta toutou. Oh là là, ta toutou. Je croyais que cette époque était terminée. Ta toutou. Zaza, qu'est-ce qu'on s'est dit concernant ma doudou? Que c'est cool d'avoir une doudou. Bah c'est ça, alors shit. Youpi. Bon, moi aussi je dois faire mes bagages. Prima. Mais tu vas voir, Zizani, ça va être super. Ouais, je me méfie toujours, moi, des idées de Zaza, c'est souvent risqué, hein. Non, cette fois-ci, pas de danger, on va bien s'amuser. Oh, mais oui, tu vas pouvoir ajouter tout plein de papillons à ta collection. Hé, hey, Zaza, t'apportes rien d'autre. Pourquoi faire? De toute façon, il y a assez de place dans mon sac de golf pour mon pyjama et ma brosse à dents, hein. Il adore le golf. Oh, ça y est, je suis prête. On peut partir maintenant. Vous savez, j'ai dit le strict minimum. Je sais, je n'ai que le minimum aussi. Mais Zélie, on ne quitte que pour quelques heures. Ouais. Ta valise est beaucoup trop grosse. T'as porté ta garde-robe au complet ou pas? T'as peut-être un zèle clandestin dans ta valise. Ou tu as apporté ta super méga trop cool sans poussière sans fil qui fonctionne à batterie pour faire un tas de business. Non, mais que quelques vêtements au cas où. On ne sait pas s'il fera chaud ou froid, ou si nous ferons du malade ou de la baignade, ou peut-être rencontrerons-nous un joli zèle dans le chemin. Je ne vois vraiment pas quel autre zèle pourrait être plus joli que... Qu'est-ce qui se passe? Je me comprends, là. Bon, on peut partir maintenant. Oui, allons-y. Allez, hop, on va faire ça vite, les elfes, vous allez voir. On y va. C'est parti, attention, les pisoles. Hé, Zaza, tu sais par où tu passes, au moins? C'est le bon chemin. Les elfes partent en camping, la cime, la sol. Les elfes partent en camping. Les aides, regardez-moi ça. Je crois que cet endroit est idéal pour ériger notre campement. Ah ouais, tu trouves? Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup trop à chez nous. Il n'y a pas une grande différence. Oh, mais non, Zizani, cet endroit est magnifique. Je me sens déjà dépaysée. Bon, comme la route a été longue, je suggère qu'on monte le campement maintenant. Oui, bonne idée. Je pars chercher du bois pour le feu de camp. Ah, ça c'est super. J'ai toujours rêvé de faire un feu de camp. Si, romantique. Oh, ça, j'avoue que ça me tente. Oh, ça me tente. Oh, elle est super drôle, si t'as dit. Tente, ça me tente. Hein? Comme une tente. Comme une tente de camping. Et ben vous avez laissé votre sens de l'humour à la maison, parce que je vois, hein. Voilà les amis, il y a du beau bois pour le feu. En fait, j'ai monté le feu de camp en chemin pour nous sauver du temps. Ah ben ça c'est cool. Allons-y. Alors voilà. Et vous savez quoi les amis, pour vous montrer ma bonne foi, je vous ai tous apporté une surprise. Et c'était Kimon. Ça c'est génial. Et Zed, si on se racontait des histoires. Mais pas des histoires qui font peur, je ne pourrais pas dormir la nuit. Bon, d'accord Zélie, on va en raconter chacun un tout petit bout et à la fin nous aurons une histoire complète. Allez Zélie, commence. D'accord. Il était une fois. Bah ça c'est classique. Ça tombe super bien, je trouve. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Ziron. Elle aimait beaucoup se promener dans les bois. Elle aimait sentir les fleurs. Oh, les petites fleurs. Et donner de la nourriture aux petites biches. Les petites filles. Porter de jolies robes. Mais par un beau jour d'été, c'est-à-dire une journée pluvieuse et nuageuse, Zircon s'éloigna un peu trop de sa maison et se perdit en forêt. Oh. Elle essaya plusieurs chemins, mais elle revenait toujours au même endroit. Alors, comme elle était très intelligente et
pleine d'imagination, elle trouva une vieille bûche de bois d'arbre et décida de s'en faire une amie. Je t'appellerai Bûchette et nous serons les meilleurs amis du monde. Mais Zircon eut la surprise de sa vie quand Bûchette lui parla. Ça y est, j'ai peur maintenant, moi je ne pourrai pas dormir. Mais voyons, Zélie, on est tous ensemble, il ne peut rien arriver, hein. Allez, dors bien. À demain, ribambelle. Je t'aime. Je savais que je pourrais pas dormir. Ce sont des bruits, la nuit qui est des la nuit. Je le dis, c'est sans danger. Des bruits, la nuit qui est des la nuit. Quand je les entends, je les trouve peur. Je sais que ce sont des bruits, la nuit qui est des bruits, la nuit. Je le sais que c'est sans danger. Des bruits, la nuit qui est des bruits, la nuit. Quand je les entends, je les trouve effrayants. Mais oui, Zélie, je me demande bien d'où ça vient. Hein. J'ai bien l'impression qu'une bête sauvage est de se faire un festin dans nos provisions. J'espère que tu toucheras pas mes céréales préférées. Hey, toi, ne touche pas à mes colonnettes crunch. Espèce de bête affamée. Je déteste quand les bêtes sauvages ouvrent les boîtes de céréales et sont moins croquantes après. Des colonnettes crunch, dit Annie. Ah oui, quoi? Elles sont si délicieuses et croquantes et il y a toujours une super surprise dans la boîte. Ce sont les méga puffs. Elles changent de couleur dans le lait. Mes amis, je ne voudrais pas interrompre cette conversation palpitante au sujet des céréales, mais il y a une peste sauvage qui saccage nos provisions pendant ce temps-là. Tiens, vas-y, voisin d'un. C'était ton idée de camping après tout. Ouais, je suis si mignon. La bête pourrait manger tout rond. Vas-y! Nous on reste ici, on bouge pas! Et dire que moi je pourrais être bien couché, confortable dans mon grand lit à la maison! Ouais! D'accord! J'y vais!
Mais si je ne suis pas rentré dans 30 minutes, appelez ma maman. Ah, courage. Oui, il va bien y arriver, vous allez. Pauvre Zinzin. Est-ce que c'est maintenant qu'il faut appeler sa maman? Non, ça ne fait pas 30 minutes encore. Appel. Alors, Zinzin. Eh bien, je l'ai attrapé, moi, notre bête sauvage. Ce n'était que Ribambelle. Elle est somnambule et quand ça lui arrive, elle a le fagal. Oh, bien contente que c'est toi, Ribambelle. Hein. Moi, j'ai presque pas peur. Et si on rentrait à la maison, Lisette? Je ne trouve plus que c'est une si bonne idée que ça, moi, les vacances. Ouais. Eh bien, moi, je vous l'avais bien dit que les vacances, c'est la vie. Ouais. Ah. Allez, ça. Allons-y tout de suite. Le plus vite on est parti, le plus vite on va être à l'air clim. Ah oui, je vais rentrer à la maison. Merci beaucoup. Attention, j'ai trouvé des glands de chêne. Ouh. J'ai mal aux orteils. Est-ce qu'on arrive bientôt? Je crois qu'on est bientôt arrivé. Attention, les petits orteils. Est-ce qu'on est bien à la maison? Oui, c'est joli chez nous aussi. Oh, mais les amis, ça ne s'est pas si mal passé quand même. Eh, vous verrez. La prochaine fois. La prochaine fois? Oh, que non! Il n'y aura pas de prochaine fois. Hein? Moi, je préférais chanter sans cesse plutôt que de retourner en vacances. Sérieux, Isabelle? Ça me donne une idée. Terminer les vacances, de retour les amis. On est si bien chez nous, en Ribambelle. Ribambelle, c'est si bon d'être à la maison. Oh oui,
Bambel. Il y a la Bayern Bambel.